Salut à tous et bienvenue pour ce qui va certainement être le dernier épisode de Prison Architect. Donc j'espère que c'est intérêt à bien se passer. Parce que là, les ouvriers qui veulent pas bosser, les mecs qui font grève, les mecs qui se mettent tout nus. Non, il y en a marre là. Sincèrement, il y en a marre. Hein. Y a personne qui veut bosser, tout le monde il se met à poil. Mais sincèrement, on est où là? C'est pas une prison ce que j'ai, c'est les Club Med. Y a aussi une porte ici. Tiens, encore une porte là. J'ai des nudistes partout. J'ai des feignants partout. Je vais vous faire ça une haute sécurité de psychopathe. Vous allez rien comprendre. Tiens, ça y est, là, ils se sont tous entretués. En 10 secondes, le taser, ça part dans tous les sens. Ah, faut faire gaffe. À nous, les mecs, le taser, ils savent s'en servir. Hein. Remarque, ils savent s'en servir que de ça. La douche, là, elle est censée accueillir 10 000 personnes. Je sais même pas s'il y a 10 000 personnes qui vont dedans. Les mecs, ils veulent de la drogue, alors que j'ai mis 40 thérapies anti-drogue. Mettez-moi un peu de réalisme, quoi. Puis s'il va falloir que je remette d'entraînement au taser, parce que ça devient n'importe quoi. J'en fous de Jasmine. C'est la porte que je veux. Ouvert. 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 Par contre, je pense que cette prison-là, pour s'en évader, normalement, bah, c'est censé être chaud. Il y a des portes partout. On peut pas faire un pas sans tomber sur la sécurité. Donc, si les gens arrivent à s'évader de cette prison, faut qu'ils m'expliquent comment ils font. Un prisonnier là, un gardien ici. Un gardien là, j'ai dit un gardien ici. Deux gardiens là, ça le fera. Un ici, il y en a déjà un là. Là, il y en a 40. Là, il y en a déjà un. Où est-ce que j'ai encore mis des portes? Ici, c'est vrai. Hop. Ouvert. Ouvert. Déploiement du personnel seulement. Un ici de plus. Un là. Et un de plus ici. Ça là, je la mets en ouverte. Déploiement. Et un ici. Génial, mec. Quand je vois ce que tu protèges, c'est génial. Pièce. Dortoir. Donc, dupliquer. Ils ont pas fini encore, mais ils se foutent de ma gueule là. Bon, je sais qu'ils se foutent tout le temps de ma gueule, mais quand même. Un peu de respect de temps en temps. Ça, ce truc-là, ça m'effraie, ça clignote tout le temps ici. 710, youpi! J'en ai marre. J'en ai marre. Sincèrement, je fais encore 4 épisodes de plus. J'ai quoi? J'ai dans ma prison, il n'y a plus que de ça. Est-ce que là, mes ouvriers vont enfin finir de bosser? Soixante. 70. Vous allez bosser là où il y aura du travail, je sais pas moi. Tu tuer des gens, mais piquez leur boulot, je m'en fous. Vous, je peux vous faire passer à 340. Même 350 s'il faut, je m'en fous, ça vous fera plaisir. 350 et ils sont pas disponibles. C'est ça que j'appelle une blague. Vous faites quoi les mecs, sincèrement, mes gardiens? Vous êtes où? Putain, on va enfin pouvoir bosser. Allez. Allez. Non, j'ai fait allez. Allez. Et là, il n'y a plus la place.
Ensuite, derrière toi, tu vas reprendre. Donc ça fait combien? 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 3, 7, 8. Si je me trompe pas, ça fait ça normalement. Je vais mettre la grande porte de prison en bas. Du coup, vous allez mettre les dalles de pierre ici. Jusqu'ici. Même là. Je sais que c'était très dur, mais mettez-la quand même. Ils sont censés mettre des portes de prison. Ils sont censés bosser à fond. C'est juste pour regarder si en faisant ça, je réussis à me libérer de la place. Parce que là, j'ai dit. Je sais pas quoi faire, sincèrement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce bloc-là, quoi? Je l'ai fait brûler. On peut pas brûler. L'administration, le couloir de la mort, je l'ai. Pièce. Chambre d'exécution, il faut une chaise électrique. Je vais mettre une chambre d'exécution, tiens, au passage. J'ai encore jamais vu ce bâtiment-là. On va le mettre ici même. Les tuyaux, ils les font pas? Pas de soucis, je vais les faire. Je vais aussi m'occuper d'électricité, vous inquiétez pas. Normalement, l'électricité, on l'a déjà poussée, ouais, donc je vais pas m'en occuper. Peut déployer quelqu'un ici. Voilà, j'ai 100 gardiens libres. Alors attention, quand on dit qu'il y a 100 gardiens libres, c'est-à-dire qu'il y en a 40 ici et 70 là-bas. C'est bien le minimum. Et juste pour savoir, j'ai combien d'ouvriers qui glandent? Ils glandent pas mes ouvriers? Bah, s'il glande pas, on va passer à 70. Sincèrement, je fais plus 20 000, allez. Si ça peut vraiment les faire travailler plus vite. Ma salle de repos ici, il n'y a personne. Là-bas, il n'y a personne. Pourtant, ils sont tous crevés. Bien. Et bah, vous me mettez un mur en béton ici. On va attendre parce que je sais pas de quoi ils sont capables. Donc j'ai dit que je voulais en faire une chambre d'exécution. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste une chaise électrique. C'est tout. Ça manque un peu d'idées, je dirais là. Alors, je pense qu'on va éviter de mettre un accès gratuit ici aussi. C'est pas le Club Med. Mur en béton. Passer de là. Je sais pas, après ça se programme les exécutions. Appel de condamnation à mort.
Qu'est-ce qu'il nécessite? Ok, c'est pas ça. Il y a des pièces qui s'appellent le couloir de la mort. Bon, je viens regarder. Cellule d'attente. Ben non, je vois pas. On va voir plus tard ce que ça va donner. Ah, je suis passé à 515. Il y aura peut-être moins de monde là-bas bientôt. Ah, par contre là, j'approche l'explosion. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont 392 à pas être contents. En théorie, j'ai un gardien pour deux prisonniers. Ouais, franchement, je pense que c'était une bonne idée, les mecs. Franchement, passez par là toute votre vie. Je suis sûr que c'était franchement la meilleure chose à faire. Il y a des choses, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez vous dépêcher de finir vos putains de bâtiments pour que je puisse passer à autre chose? En attendant, je vais commencer à préparer celui-là. Pour le faire dans ce sens-là aussi. Il y aura une chaise, une bibliothèque mise au hasard, deux bandes muscu, une télé, une radio. Et une radio. Qu'est-ce que j'ai pas encore mis? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas mis de toute manière? Qui veut vraiment. Qui aura une utilité à une cabine téléphonique? Trop la classe. Et des murs en béton. Comme ça, au passage, je vais pouvoir lancer. Pareil, c'est symétrique. Il en manquait un ici. Voilà. Il y a déjà des morts ici. Putain, les mecs, mais vous faites exprès, c'est pas possible ça. Il n'y a pas d'électricité. Dites-moi pas que j'ai pas mis l'électricité. Si je l'ai mise, alors. Un décès, et c'est pas moi. J'ai encore envoyé personne dans la chambre d'exécution. M'accusez pas. Mec, il a les menottes, il va aux toilettes, c'est cool. Ah, décès aujourd'hui, zéro. Non, le mec, on l'a ressuscité, vous inquiétez pas. Fausse alerte. C'est beau quand même, hein. Heureusement qu'on a des fausses alertes. Bon là je suis sûr que franchement la moitié de mon personnel ne font rien. Soit les camions n'arrivent pas. Tiens, maintenant ils commencent à envahir le parloir. Les mecs, faites attention. Ils envahissent le parloir. Vous êtes sûr que j'ai pas le droit d'en faire mourir 2-3 au hasard pour le plaisir? Personne ne le saura, promis. Bon, ouvert cette porte-là, parce que le temps que vous me finissiez ça, sera cool. Ils sont censés être 8 par cellule. Je vais en remettre encore une petite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 8, 40 et quelques. Je pense pas du tout que ça va résoudre mon problème. Mais bon, moi je fais mon maximum pour essayer de trouver des solutions à mes problèmes. Ils sont 280 en attente, c'est pas possible. 280 en attente de je sais pas quoi. Là, c'est plein.
Me dites pas que tout est plein. Presque tout est plein. Mais... Oh putain, ce jeu. Codé avec les pieds, c'est moi qui vous le dis. Le mec, il a posé la télé dehors, il s'est barré. Mais sincèrement, quoi, le mec, il s'est barré. Allez, bim. Bon, il va falloir que je mette les portes moi-même. Parce que j'ai oublié de les sélectionner. C'est pas grave, on s'en remettra. Alors, objet, porte de cellule. Parce que je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais il n'y a pas de porte de cellule, on peut pas y aller. T'es un abruti, t'es un boulet. Je sais. Voilà, le problème est réglé. Au passage, je vous mettrai un sol métallique. Sur tout ça. Et sur tout ça. Ben tiens, ici, je vais mettre des cellules d'isolement. Mal foutu, quoi. Je peux en case. Je peux mal. Je peux même pas bien les mettre. Si je fais ça. En fait, je vais directement raser le mur ici. C'est ce qui me semble être le plus approprié. Comme ça, je pourrais en mettre un là et un là. Objet porte d'isolement. Une, deux, trois. Là, il y a un rush qui arrive. J'espère que vous avez pris les portes aussi, parce que sinon vous allez galérer, hein. Fonctionnement normal. Pièce. Dortoir de là. Ah là. Les mecs, ça étudie, ça étudie. Là, ça trie le courrier. Là, ça étudie un tout petit peu. L'air de rien, j'y crois. Peut-être réussir à aller faire ces 40 000. Au moins les portes ont été mises. Ça c'est cool. Ils ont été intelligents, ils ont mis les portes en premier. Pièce. Allez, un décès. Ça nous manquait. Ah, deux décès. Ça nous manquait aussi. Oui. Alors, est-ce que je peux m'arranger ici? Si je fais tac, un ici et un ici, du coup je peux casser ça. Tac, et là. Ouais, je peux en faire deux de plus, c'est tout. Bon, c'est mieux que rien. Vous me cassez ces murs-là. Vous me mettez deux portes d'isolement ici. Et vous me dites que là, il y aura de l'isolement. Me dites pas que j'ai cassé le mur ici en plus. Non, ça va. En fait, j'ai rien fait. J'ai pas fait de conneries. Mais à un moment, j'ai eu peur. Ce mur-là aussi, vous le cassez. J'ai 300 mecs qui doivent aller en isolement. Est-ce que vous comprenez la détresse dans laquelle je suis? Alors ça fait 4, 5, 7. Pardon, je reprends. 4, 7, 8, 12. Il me faut 12 de large.
Je suis pas sûr que ce soit une idée de partir tout en haut. 1, 2, ici. Ici, vous me mettez des dalles de pierre. La chambre d'exécution, elle est jolie. 6 décès, et bien évidemment, quoi. Où est-ce qu'ils sont partis se tuer aujourd'hui, hein? Ah bah en fait c'est pour ça que je perds des prisonniers ici, parce que les mecs ils se suicident. C'est ça, évidemment. Mais c'est bien sûr. Alors objet, vous me mettez des grandes portes de prison. Je sais pas où mettre la grande porte de prison. Parce que ça fait 4 murs. Ouais, il en manque un petit peu. Au hasard, je préfère qu'on l'agrandisse trop. Au pire, je casserai. Bon, allez, pour la peine, vous aurez le droit à des gardiens en plus. Allez. Allez, casser du prisonnier. Sol métallique. Détecteur de métaux. Où est-ce qu'ils sont? Là. Je crois que j'ai entendu une mitraillette, donc j'ai comme un doute sur le fait que ce que je vais entendre là. Je me dis qu'une mitraillette, ça doit pas être adapté au jeu. Allez les mecs, poussez sérieusement. 360 mecs en attente d'isolement. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Faudrait que je mette tout ce bloc-là en isolement. Bon, bah, je vais le faire s'il le faut, hein. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, je vais le faire. Il y a de la seringue et tout, mais il y en a marre à la fin de votre merde là. Oh, on est marre, ce jeu. Comme je vous dis, ce sera certainement le dernier épisode. Ah et là ici ils ont. Je crois qu'ils ont tué minimum 10 personnes. Je pense qu'on va remettre les cours de taser. Les cours de taser, ça devait pas faire de mal. Vous m'avez quand même pas tué un psychologue non plus, on sait jamais, hein. Vous connaissant. Ils sont tous casés mes psys? Je sais même pas si mes psys sont casés, quoi. Il y a du sang partout. Mais quand on dit qu'il y a du sang partout, il y a du sang partout. Finissez-moi tout ça. Ah bah tiens, pièce ici, isolement. Si c'est bon, j'ai déjà fait. Ah, 8e décès. On progresse. J'ai toujours 140 prisonniers de trop. J'ai toujours mon gang de balayeurs. Les ouvriers. Le jeu a vraiment des gros problèmes de programmation. Le mec qui travaille dessus, avant qu'il continue de développer, enfin, avant qu'il commence à développer une nouvelle fonction, faudrait qu'il corrige ou que quelqu'un, franchement, qui suivra cette série, m'explique où est-ce que j'ai fait de la merde pour avoir des bugs comme ça que je suis incapable de comprendre. Pourtant, je dis pas que je suis plus bête qu'un autre, hein. Je le suis peut-être en fait. Ah, était presque bien cadré. Ah, et ensuite on fait dans l'autre sens. Bon, elle a dépassé de 1, c'est pas grave, on s'en remettra. On va casser les murs et on va faire des nouveaux.
péter tous ces murs-là. Et vous en ferez des nouveaux. Service, vous me mettez tout de suite les tuyaux. Ça, je sais pas, moi, avec un miracle, ça va peut-être me désengorger la merde que j'ai. La porte qui est là, vous me la maintenez ouverte. Attends, arrête. 360 mecs en attente d'isolement. Mais c'est quoi cette blague, sincèrement? Ah, bah au moins on a mis l'électricité. Si ça, c'est pas beau. Je suis fan de moi-même. Bon, faut franchement, faut bien ça au minimum parce que la merde que c'est cette prison. 567 prisonniers. Et y a pas un gardien qui travaille ici, quoi, mec. Venez bosser un peu, les mecs. Oh. Mur en briques. Je sais que vous glandez énormément, mais quand même, un peu de retenue, quoi. Ouais, 90 ouvriers pour gérer la prison, me dites pas que c'est pas assez. Vous devriez même courir dans tous les sens. Ça, vous le faites déjà, mais vous le faites mal. Tiens, même du coup, ce mur-là, je le casserais bien et... Et qu'est-ce que j'y ferais, de toute manière? Je sais même pas ce que j'y ferais. Il y a des débuts de mur. Ouais, ça, je sais qu'il faut que je mette mes détecteurs de métaux, ici. Et que, du coup, va falloir les connecter au courant. Il y a des lits qui arrivent. Est-ce que c'est toujours le même bordel à l'entrée? Ah, c'est déjà un peu moins bordélique. Nourrir les prisonniers, ils ont la dalle. Est-ce qu'au moins ils vont manger? Ils sont censés être 500 à aller manger. Là, 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 j'ai l'impression que c'est sous-peuplé. Où sont mes prisonniers? Ils sont tous à l'infirmerie. Me dis pas que t'as bugué, toi. Génial. Alors. Donc là, il y a trop de on prend trop de puissance. Vous allez me virer. Démonter. Vous allez me démonter tout cela. On va s'arranger. Enfin, on va essayer de s'arranger. Pendant le repas, c'est parfait. Comme ça, on est sûr qu'ils mangeront pas. Déjà qu'ils mangent pas de base. Où sont mes 90 ouvriers ? Attendez, me dites pas que j'ai des mecs, c'est des prisonniers qui vont... Est-ce que vous savez qu'une salle de classe, ce n'est pas une salle d'isolement? Non, vous le savez pas ça, à mon avis. Sinon, vous ne seriez pas là. Non, le jeu fonctionne à fond. Je vais créer des cellules d'isolement, c'est pas grave. De toute façon, on a que ça à foutre. Dans le jeu, mets des cellules d'isolement. Merci. Vas-y, raconte-moi. Un tuyau à lâcher. Merci. Tu crois que j'ai que ça à foutre, m'occuper d'un tuyau alors que c'est la... Alors que j'ai 300 prisonniers en trop.
Voilà, j'ai 300 prisonniers en trop et tu me fais lâcher un tuyau. Ça va, en plus, t'es pas trop stressé, hein. Les mecs, ils sont pas prêts de réparer. Y a pas de quoi s'inquiéter, hein. Ils sont 90, puis t'inquiète pas qu'il n'y en a pas un seul qui sait travailler là-bas. Punaise, si ça c'est pas un compte, un truc pas mal. Je suis pile. Bon, avec tous ces détecteurs de métaux que j'ai enlevés, est-ce que maintenant tu peux te ressaisir? Ouais, t'es pas. T'es franchement limite limite. Ça commence à être dur. Après, vous me mettez des portes d'isolement partout. Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que façon j'ai. Allez, mets-moi des portes. Tu l'amènes où là? Tu peux m'expliquer, bordel? Oh les mecs, réfléchissez un peu à ce que vous faites là. Vous êtes en train d'emmener des prisonniers à l'isolement, enfin des prisonniers, même, je sais même pas où d'ailleurs parce que je comprends plus rien à votre cerveau là. Un décès, c'est normal. On en est à 600. On est repassé à 689 ici. Et toutes mes cellules sont actives. Donc comme j'ai dit, je vais continuer d'essayer de faire mes cellules d'isolement. Je me dis qu'avec de la chance, je vais peut-être faire un miracle. Ouais, c'est ça, allez-y, faites des morts de toute façon. Que sont plus foutus entre vous, moi j'ai de con à gérer après. Vous me démolissez ce mur-là. De toute façon, même vous allez me rajouter un mur en béton ici. Vous allez me remettre des portes d'isolement. Que vous êtes bon qu'à ça de toute manière. Pas ici les portes d'isolement, mais là. Dans ce jeu, j'ai essayé de lui donner une chance. Faites-moi tout ce que je vous ai demandé. Je comprends pas qu'avec 90 mecs qui sont censés travailler jour et nuit, on n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire. Ça, allez, vas-y. L'accès à distance, vous le ferez un jour, on vous trouvera bien une raison. Là, j'ai un problème dans un tuyau, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous dirait un jour de me faire ce foutu tuyau ici, quoi? Et 450 personnes en attente d'isolement. Non, mais vous vous trouvez. 358. Ah, bah tiens, j'ai perdu des gardiens. Du coup, je vais en refaire. Donc, si j'ai bien compris, il faut que je refasse encore de l'isolement, c'est ça? Plus je mets d'isolement, plus vous êtes content. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, je vais vous en mettre de l'isolement. J'ai que ça à foutre, comme on dit. Je crois que l'épisode là, il va être un peu long parce que j'essaie quand même de voir si s'il n'y a pas un miracle qui peut se réaliser. J'ai installé une chaise électrique, si ça c'est pas la classe. Ça, pourtant, j'avais regardé des trucs sur internet, je n'avais pas vu qu'il y avait autant de bugs. Je m'en étais pas rendu compte. Ouais, l'isolement est pas prêt. Là, on est en train de se préparer. 34 minutes d'épisode. Les mecs ils mangent pas de toute manière. Ils vont tous crever la dalle, c'est pas un souci.
410. Ouh, j'avais 450, je suis passé à 418. Est-ce que le fait d'avoir multiplié mes cellules d'isolement, ça fait quelque chose? C'est un peu con parce que c'est un peu chiant. Je comprends vraiment pas comment, avec le nombre d'ouvriers que j'ai, les mecs, ils n'arrivent pas à bosser plus rapidement que ça. Là, eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils foutent? Lui, qu'est-ce qu'il fout? T'en as une dizaine qui fout vraiment rien. Et je suis même pas sûr que si jamais de moi-même j'essayais vraiment de compter mes 90 ouvriers, est-ce que je vais vraiment les retrouver? Là, il y a un problème, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas la porte. On peut m'expliquer pourquoi ils sont trois dans la même cellule d'isolement? Façon, ici, il n'y a pas de porte. Non, mais là, ils sont deux ou trois dans la même cellule. Les employés se reposent, et même les salles de vie personnelle, c'est pas assez développé. Canapé, trésor de boisson. Mais non, à quoi ça sert de se faire des billards, des trucs de téléphonie, tout ça? Là, il y a un problème de développement dans ces trucs-là. Les générateurs, ils sont pas assez puissants et pas assez précis. On n'a aucune idée à quel moment le générateur ne peut plus remplir sa fonction. Isolement. Tu me remplis jusqu'ici. Toi, tu me remplis tout ça en plus. Je crois que la situation commençait à s'améliorer un tout petit peu. J'étais en pleine chute là. Le mur en béton, il était commandé. Oui, il était commandé. Donc, faut juste attendre qu'il arrive. Non, j'ai dit. On peut m'expliquer pour. Ah bah tiens, bah, les mecs ils se sont déplacés, ils se sont mis où? J'avais le club des mecs qui servait à rien, il est parti se mettre où ce club-là? Là où ils sont en train de s'entretuer, les tunnels, les gardiens les trouvent jamais. Les chiens te disent qu'il y a des problèmes de tunnels, mais les gardiens ils sont incapables de les trouver. Là mes ouvriers ils sont en train de se faire glandouille, là il y a un truc qui bug depuis au moins deux épisodes. Non, là. J'ai des prisonniers nulle part. J'en ai 300 en attente de quelque chose, mais ils sont nulle part. Là, il y a ce mur-là qui veut pas arriver. Que je sais pas ce que fout mon ouvrier. Là, on voit rien du tout là-dedans. Déploiement, non. Je vous mettrai bien de l'électricité, mais ça sert à rien. Il faut que je continue à mettre de l'isolement. Ben, on va continuer. On va remettre une couche d'isolement. J'ai plus de thunes, mais c'est pas grave. On va s'en tirer. Toute façon, dans la vie, on s'en fout, hein. Tant qu'on peut mettre des cellules d'isolement, on va mettre des cellules d'isolement. Si pour régler mon problème, il fallait faire 500 cellules d'isolement, il fallait me dire dès le début, je l'aurais fait. J'aurais eu franchement une grosse envie, une grosse motivation à faire ça, parce que je me serais dit que c'était le truc le plus passionnant à faire de ma partie. Voilà, on a refait des nouvelles cellules. Comme je vous ai dit, cet épisode-là va être long, parce que j'essaie quand même de donner une dernière chance au jeu. Qui me débloque ma situation pourrie. Tu peux pas au moins l'enregistrer? Te souvenir que j'ai cliqué ici? Bon, le mur, faudrait que je le refasse en haut. Il y a 500 gardiens qui passent ici, je sais pas pourquoi. Il y a tous les gardiens au même moment qui vont tous au même endroit comme d'habitude. Mais en plus, c'est pas comme ça qu'on gère une prison, quoi. Faites des efforts, plus de 200 et quelques.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte du nombre de prisons d'isolement, enfin de cellules d'isolement que j'ai fait? C'est pas ça le but du jeu quand même, c'est pas de faire 500 cellules d'isolement. Je pense qu'il y a quand même plus intéressant que de faire ça. Je suis passé de 450 à 290. J'ai toujours des demandes de libération sous co. Les mecs, ça vous dirait un jour de patrouiller partout en même temps? J'ai encore des problèmes de personnel. Ils me disent que j'ai pas assez de flics, je comprends pas. Il y a bien moyen que j'ai assez de flics là, j'en ai quasiment 400. Les ouvriers, je suis même pas sûr que ça fonctionne réellement. Je veux dire, je suis censé posséder une quantité d'ouvriers incroyable. Je suis même pas sûr que ça fonctionne vraiment. Évidemment, avec le nombre de prisonniers que j'ai, les visites, ça devient compliqué. Là, ils sont deux dans cette cellule-là, mais expliquez-moi pourquoi ils sont deux dans cette cellule. C'est pas normal. Là, j'ai un gang de prisonniers qui fait le ménage. Je suis censé posséder au moins 100 gardiens de libre. J'en ai 390. Expliquez-moi où bossent mes gardiens là. Ils sont pas stockés là, ils sont cachés où? Non, mes gardiens, ils sont nulle part. Pareil, je sais pas où est-ce qu'ils sont mes gardiens. J'en ai pas 390 là. Le jeu n'arrive plus à gérer quand il y a des grandes quantités, parce que là c'est pas possible. 390 gardiens, c'est énorme. Comme les prisonniers, il y en a partout, mais les gardiens, il n'y en a pas autant. Qu'est-ce qui te manque, toi? Entouré, mais t'es entouré! C'est la porte qu'il n'y a pas? Ouais, il n'y a pas de porte ici, il n'y a pas de porte là. Voilà, je voulais mettre les portes. Les cellules d'isolement, elles sont mises. Voilà, elles sont toutes remises. Je me refais de la ligne là pour être sûr que ça fonctionne. Et encore une fois, pourquoi dans certaines cellules, ils sont deux, même quatre? Là, ils sont 46 là-bas. Je sais pas pourquoi ils sont 46. Voilà, au moins avec ça, j'ai réglé le problème de l'isolement. Mais j'avais franchement autre chose à foutre de la place que de faire ça. Non, c'est-à-dire, dans leur cellule avec les menottes, c'est du confinement. J'ai 100 cellules d'isolement et elles sont toutes remplies. Expliquez-moi cette blague, quoi. Cette blague. Allez, on va augmenter, on va encore en faire. Voilà, vous allez voir, moi, franchement, c'est mon kiff. Faire des cellules d'isolement, je me suis dit, Damzou, dans la vie, tu feras des cellules d'isolement. Je vais bientôt avoir plus de cellules d'isolement que de cellules tout court. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, c'est simple, les prisonniers, je les mets en isolement. Ah, et pourquoi? Bah, je sais pas. C'est le jeu, il m'a dit, t'as des prisonniers, tu les mets en isolement. Et si tu sais pas pourquoi, bah tu te compliques pas la vie, tu les mets en isolement tout court. Hein. Ah, en plus je me suis planté. Merci. Le jeu en pause parce que pour une fois ils sont capables de bosser. Alors que ça fonctionne pas. Alors que je me suis planté, donc on les a bien arrêtés. Avant qu'ils les fassent, avant que ça plante. Ah, dégage. Dégage aussi.
pièces. Ouais, bon, on va attendre qu'ils aient fini. Bah, c'est simple. Qu'est-ce qu'ils font les mecs dans la prison? Bah, ils sont tous en isolement. Je vais passer à 400 gardiens. Déjà, dès le début de la partie, j'ai eu un putain de bug qui m'a énervé, des prisonniers qui buguaient. Et tout au long, ça fait que empirer. Comment je fais pour dépasser ma limite de 78? Les mecs, ils les mettent où? Ils les mettent dans les cellules d'isolement 15 par 15. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Les ouvriers, ils sont repartis faire grève, je sais pas où. Voilà, alors là, ici, vous allez pouvoir admirer ce qu'on appelle le club des ouvriers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a au moins 20 qui foutent rien ici. Il y a même des concierges qui foutent rien ici. Je sais même pas qu'est-ce que foutent les concierges. Les concierges, ils nettoient l'exportation. Les piles de courrier, le courrier, ben le courrier, je sais pas moi, bosser au courrier. Faites des livraisons au courrier, je sais pas, regarde, ici, il y a de la place. Les mecs sont censés travailler, ils sont 19, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils se promènent. Les salles de nettoyage, elle est vide celle-là. Pourtant, ils ne montent pas d'équipement. Celle-là, il y a des espèces de trucs de produits. Là, rien du tout. La buanderie. Ouais, le fameux bug de la buanderie que j'ai trouvé énorme, quoi. La buanderie, si elle travaille trop, elle bug, parce que les mecs peuvent plus entrer. Non, mais. Les mecs, il faut vite reprendre votre jeu, ou alors il faut vite m'expliquer où est-ce que j'ai merdé. Parce que c'est possible que c'est moi qui ai merdé. Après tout, je peux faire de la merde. Simplement, je sais que dans les jeux, généralement, je fais pas trop souvent de la merde. Globalement, j'arrive à comprendre le fonctionnement d'un jeu. Regardez là, il y a du boulot partout. Enfin, là, ces cellules-là, elles sont pleines. Mon problème, c'est qu'on peut pas savoir comment fonctionne une cellule. J'avoue qu'elles sont moches par contre. Hein. Par contre, elles sont peut-être du coup un meilleur indice que celles-ci. Parce que celles-là, elles sont petites, propres, mais moches. Ah ouais, puis celles-là, elles sont énormes. Ah ouais, j'aurais même dû rajouter un lit pour faire chier tout le monde. Là, les ouvriers, ça bosse pas. On n'en est plus qu'à 30 en attente d'isolement. Par contre, j'ai toujours mes 70 prisonniers en trop. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait pour débugger ta partie? Bah, j'ai fait environ 100 cellules d'isolement. Ah, c'était marrant? Non. Je me suis fait chier. Ah, cool! Pourquoi avoir toujours 70 prisonniers en trop que je sais pas où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que vous m'avez casé mes prisonniers en trop? Parce qu'ils sont forcément quelque part. Hein. Ils ont été casés dans les cellules du haut? Non. Alors lui il fait ah, de la muscu tout nu. Qu'un mec aille aux toilettes, soit tout nu dans la douche, ok, mais il peut m'expliquer pourquoi dans la muscu c'est tout nu, dans la salle de détente c'est tout nu. Ça y est, c'est fini, c'est enfin en activité, non il manque des murs. Vous allez me faire ce putain de mur ici? Voilà, donc cellule, je répète bien, cellule d'isolement, j'en ai 129. Trop la classe. Alors chez moi, il y a une connerie, il y a de l'isolement direct. Prochaine émeute, je mets toute la prison en isolement. Et j'ai toujours 70 prisonniers que je sais pas où est-ce qu'ils sont. Il faut me trouver les 70 prisonniers que j'ai trop. Parce que du coup, je comprends même pas quand mes prisonniers vont manger. Le calcul, il est fait sur 602 ou 676? Eh ouais, c'est une question con, mais le pourcentage qu'il a affiché, il est mis sur qui? Passage au niveau des subventions. Dans la... Ah ouais, normalement, allez. Ça là, elle est finie. Retirer les réserves d'outils volés.
Alors en ce moment, il va falloir m'expliquer c'est quoi aussi ça. Retirer les réserves d'outils volés. J'ai un bâtiment qui s'appelle réserve? Non. J'ai un bâtiment qui... Non. Bah ok, merci. Bon ben voilà, j'ai fini. J'ai... Oh punaise. En fait, tous les prisonniers qui sont en isolement, c'est les prisonniers buggés. C'est pour ça que mon isolement d'avant... D'ailleurs, là, les gardiens, ils sont tous partis se toucher en sécurité. Donc tout, quasiment tout mon isolement est rempli par des prisonniers qui n'existent pas. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir regardé la série jusqu'ici parce que je l'arrête. Elle m'a fait péter un câble. Sincèrement, j'en peux plus. Il faut soit que vous m'expliquiez où est-ce que j'ai merdé et je referai une saison de tranquille en évitant ça, soit j'ai raison et que c'est buggé. Allez, à plus tout le monde, ciao ciao!